Je me trouve à Guingamp pour le lancement de notre partenariat avec la Fondation du patrimoine. Alors ce partenariat, en fait, c'est la rencontre entre une entreprise Primagaz qui souhaite faire un mécénat qui va en direction des territoires, puis la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine, c'est une organisation privée qui existe depuis 20 ans et qui soutient des projets de restauration sur l'ensemble du territoire français au travers de ses délégations composées de bénévoles. Un des premiers sites qui a été choisi par les collaborateurs de cette entreprise dans le cadre de son mécénat, c'est l'ancienne prison de Guingamp qui va accueillir un centre culturel. Au vu de son histoire, au vu de son architecture particulière, l'idée de venir y greffer un centre d'art visuel nous a semblé pertinent. Primagaz donne une enveloppe qui va aider la mairie de Guingamp a réalisé ce projet qui est quand même de grande ampleur. Et puis, au-delà de la somme qui nous est allouée, c'est le symbole d'avoir à nos côtés une entreprise d'envergure qui vient saluer un projet. Et c'est aussi cette reconnaissance qui nous importe à travers ce partenariat.